Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous voyez on se retrouve pour un nouveau tuto, un tuto sur une technique de pêche on peut dire oui, enfin une technique d'animation d'un certain type de leurre, le truc très précis. Donc il s'agit tout simplement du bottom tapping, je pense que vous en entendez souvent parler, c'est un mot un peu barbare pour un truc pas très compliqué, vous allez voir, rien de très complexe. Petit aparté d'ailleurs, si jamais vous n'êtes plus abonné, que vous voulez vous rabonner ou que vous voulez filer ça à un copain, je vous mets un petit code promo de 5€ qui devrait s'afficher sur un bandeau et en description de la vidéo, vous aurez un lien sur lequel vous cliquez et la réduc s'applique automatiquement. Voilà, je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse. Si vous voulez par exemple, je sais pas, filer ça à un pote pour quelqu'un qui voudrait tester. En plus, normalement, quand vous regardez la vidéo, il y a des bonnes offres. Donc voilà, c'est dans la description, je vous laisse aller checker ça. Et on revient directement à notre petit sujet, le bottom tapping. Qu'est-ce que donc cette chose? Déjà, il faut savoir que ça se pratique avec un certain type de leurre. Principalement deux, en tout cas j'en ai en tête, ça va être les crankbaits, ça tombe bien, j'aime vraiment bien ce type de leurre, et ensuite les longbill minnow. D'ailleurs je vous ai fait un tuto il n'y a pas très longtemps là-dessus, je vous invite à aller le voir si vous ne savez pas ce que c'est qu'un longbill minnow, mais en gros c'est un jerk croisé avec un crank et bah, ça donne un longbill, en gros. Donc cette fameuse technique, le bottom tapping, va tout simplement consister en fait à faire racler votre leurre sur le fond. Le but, imaginons vous avez un spot où vous avez un mètre de fond. Le but, ça va être de prendre un leurre qui va à 1m50 pour que votre leurre vienne sur le fond et vienne tout simplement taper comme ça dans les cailloux, dans les branches ou tout simplement dans les sédiments. Ce qui est très cool, alors ici on ne pourra pas vous le faire, ici on aura des cailloux, je vais vous montrer devant sur les cailloux ce que ça donne. Mais par exemple, c'est quand vous avez beaucoup de sédiments, que vous avez un fond avec pas mal de vases ou avec juste un peu de sédiments, c'est qu'en fait le leurre va venir taper dedans et en fait à chaque fois qu'il va repartir, il va faire des petits nuages de poussière. Donc ça, ça va imiter un petit poisson qui est en train de fouiller. Ça peut vraiment attirer l'attention de certains prédateurs. Et ensuite, quand vous allez le faire dans des cailloux, ça va être pareil. Mais en gros, quand la bavette va venir taper le caillou, bah en fait, le leurre va repartir à droite, va repartir à gauche. Donc ça va vraiment créer une nage beaucoup plus erratique que la nage classique d'un crankbait. Parce que la nage d'un crankbait, d'habitude, c'est ça nage tout simplement et il n'y a rien de très erratique. Bah là, le fait de lui faire faire ce bottom tapping sur des cailloux va faire qu'il va aller à droite, à gauche, et ainsi de suite. Et ensuite, le troisième type d'endroit, ça va être dans des bois noyés ou dans des bois morts. Et là, ça va être, pareil. C'est-à-dire que le leurre, il va arriver, il va taper la branche, il va repartir d'un coup. Et donc ça, c'est vraiment une nage qui peut vraiment rendre fou certains poissons. Et généralement, ce qui va se passer, c'est que votre leurre va venir taper, par exemple, la branche. Et au moment où il va repartir, vous allez avoir une touche. C'est souvent ce qui va se produire. Ensuite, au niveau du risque d'accrochage, alors malheureusement, ça existe. Ce qui est cool, c'est que les crankbaits, surtout, quand vous allez le faire avec des crankbaits qui ont des grandes bavettes, bah en fait c'est la bavette qui va venir faire déflecteur. C'est-à-dire qu'en gros, je vais vous montrer sur la GoPro, je vais me mettre comme ça. Là vous allez avoir votre crankbait, en fait votre crank qui va nager comme ça. Et en gros, quand il va arriver sur le fond, bah c'est toujours votre bavette qui va taper en premier. Les triples seront toujours protégés par votre bavette. Alors malheureusement, si vous arrivez dans une branche entière, bah, au bout d'un moment la bavette elle va faire déflecteur. Mais par contre ensuite les tripes vont se piquer, donc ça marche pas à tous les coups, mais en tout cas sur des cailloux, vous allez le voir, sur des cailloux, sur des trucs pas trop gros, c'est toujours votre bavette qui va venir faire déflecteur sur les obstacles. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. Au niveau des poissons ciblés avec cette technique là, moi je sais que j'ai toujours eu des bons résultats sur les perches, mais honnêtement je pense que ça s'adresse un peu à tous les carnassiers, du brochet, du black bass, du sandre, mais en tout cas principalement de la perche, c'est vraiment un truc qui marchera bien. Au niveau de l'animation, vous allez voir, c'est pas très compliqué. En fait, le plus compliqué, c'est de choisir le bon leurre. C'est plus ça qui va déterminer votre animation que l'animation vraiment par elle-même. Je vais juste vous le montrer un petit peu par là. Et là, en fait, bah voilà, là, je fais du bottom tapping. Donc là, vous voyez mon leurre, hop, il va sur le fond, il va au contact des obstacles. Et là, en gros, bah hop, vous voyez, à chaque fois qu'il prend un caillou, des fois il part à droite, des fois il part à gauche. Et en fait il a vraiment une nage beaucoup plus erratique. Et en plus ça fait du bruit. Bien évidemment c'est ça aussi la composante intéressante. C'est qu'en plus ça fait du bruit. Là sur des cailloux, le leurre déjà fait du bruit bah, par sa nage, par ses billes. Mais en plus fait aussi du bruit bah, par le fait qu'il vient justement taper dans les cailloux avec sa bavette. Et là vraiment c'est vraiment le meilleur exemple. On est vraiment dans de la caillasse. Et là vous voyez bah, le leurre, il n'y a aucun risque. Il s'accroche pas du tout. Il n'y a pas de problème parce que tout simplement c'est la bavette qui vient taper en premier. Ensuite au niveau de l'animation, bah, ça va être justement, comme je vous disais, plus une question de leurre. Si vous avez 2 mètres, mettez un crank qui plonge à 2,50 m ou 3 mètres. Si vous avez 3 mètres, mettez un crank qui plonge à 3,50 m ou 4 mètres, et ainsi de suite. Mais voilà. Et par contre, si jamais vous avez trop de fond, bah malheureusement, si vous avez 10 mètres de fond, oubliez. Hop, on va faire notre petit lancer. Ici, en plus, je sais que ça marche. Je l'ai déjà fait tout à l'heure.
Et si vous voulez aussi que votre crank aille un petit peu plus profondément, vous mettez votre canne basse lotion au ras de l'eau. Comme ceci. Hop, et vous moulinez tout tranquille. Gardez un petit angle pour sentir, et là, hop. Là, je sens que je fais du bottom tapping. Là, je sens les obstacles. Je sens que je passe sur des cailloux. Là encore. Et voilà. Et on ramène comme ça, tout tranquillou. Et là, hop, on voit mon petit leurre arriver. Il fait des droites, voilà. Là, il est carrément monté d'un coup. Il a pris un gros caillou, il a fait... Fut, il est remonté comme ça d'un coup. Et après, donc, la petite particularité pour éviter de trop vous accrocher, ça va être de jouer avec la flottabilité du crankbait. Un crankbait, en tout cas, la plupart de ceux que je connaisse sont flottants. Et justement, c'est un gros avantage. C'est-à-dire que quand vous allez sentir que vous allez vous accrocher, vous allez la plupart du temps pouvoir vous désengager grâce au fait que le crankbait flotte. Donc en gros, on lance, on va ramener, on va imaginer, là par exemple, voilà, là que j'ai un obstacle, je sens un gros obstacle. Bah, qu'est-ce que je fais en fait? Je lâche et je rends vraiment du mou avec ma canne. Et en gros, bah, mon leurre, il va remonter en arrière comme ça, et ensuite, bah, je vais pouvoir monter ma canne, reprendre mon animation et passer au-dessus de l'obstacle. Donc je vous remonte, là imaginons on a un gros obstacle, hop, on rend avec la canne, on rend vraiment du mou. Et ensuite, une fois que le leurre est assez remonté, hop, on repart et normalement on passe tout simplement juste au-dessus de notre obstacle. Tout bête. Alors ça ne marchera pas à tous les coups, hein. Mais en tout cas c'est une petite astuce qui pourra vous permettre de vous dégager. Par exemple, imaginons que vous passez dans une grosse branche et que vous sentez vraiment que ça accroche. Alors par contre, il ne faut pas avoir forcé. Si jamais vous avez forcé que les triples sont plantées, c'est trop tard. C'est vraiment en fait au moment où vous sentez que la bavette, elle insiste un peu trop sur l'obstacle et que du coup, bah, vous allez lâcher et en fait le leurre, il va faire hop, comme ça. Il va remonter le cul en arrière au-dessus de l'obstacle et ensuite vous allez pouvoir repasser au-dessus. C'est vraiment ça qu'il faut essayer de faire. C'est plus simple à dire qu'à faire. Mais en tout cas, vous verrez, la force de le faire, de le mettre en application, ça devrait être beaucoup plus simple. C'en est tout au niveau de l'animation. Vous voyez, rien de très compliqué, un mot un peu barbare pour désigner une technique qui est au final assez simple et qui va juste vraiment dépendre du leurre et surtout de la bavette que vous allez mettre et du fond que vous allez avoir sur votre spot. Donc j'espère comme d'habitude que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à mettre maximum de pouces bleus, ça nous aide, puis ça nous permet de voir que la vidéo vous plaît. Nous, on va gentiment aller faire des jolis plans pour agrémenter ces vidéos et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.